qui vous a indiqué ma maison? J'ai pris des renseignements. Vous prenez des renseignements en tant que qui? En tant que quelqu'un qui a un petit litige avec vous. Quel litige? Moi, vous, le coup, tu me placez que des valises ta place. Mais Venga, comme j'avais dit oui, hein, maintenant j'ai encore dit non. Non. Pourquoi vous voulez confondre la confrontation à la confiserie? La confrontation, c'est un duel entre deux personnes. La confiserie, c'est un endroit où on vend les bonbons et les yaourts. Comme le disait mon padre, papillon, mon tamine. Tu viens chercher quoi chez moi parlant de plastique et de ceci? Il est inadmissible qu'un vaurien fripon comme vous, vous baladez juste pour vagabonder dans les maisons de deuil, pour récupérer les nourritures et les repas. Après, tu reviens maintenant parce que mon chien a dévalisé, tu as remarqué mon chien. Qu'est-ce qui te prouvait même que c'était mon chien qui avait pris ça? Bon. La convocation que tu m'avais donnée, j'ai dit qu'on arrange à l'amiable. C'est parce que je n'étais pas encore au niveau où je suis. Hein. Vous-même, vous pouvez payer le contenu du plastique là, aux gens à qui tu avais volé. Monsieur. Attends, donc maintenant, je suis un voleur. Mais tu es un bandit. Mon beau. Tu es un bandit de deuil. Dans le cul, t'as coûté pas. Tu es un voleur. Aujourd'hui, les données ont changé. La machette a changé d'épaule. Grand que vous avez un peu de temps. Monsieur, ne me parlez pas votre patois, hein. C'est toi. Je vais me jouer une chouba. Tu as bien compris? Deux. Est-ce que vous bien saisi? Donc, monsieur, comme le disait Zoutanja, comme j'avais dit oui qu'on va arranger, je n'arrange plus rien avec vous. Monsieur, allez vous plaindre où vous voulez. Aujourd'hui, j'ai les relations. Je suis chef de quartier aujourd'hui. J'essaie d'utiliser les. Vous voulez revendiquer le plastique de nourriture. Tu connais comment on prépare une nourriture? Tu connais comment on met les selles dans une nourriture? Qui fait tout, il me laisse parler. Hein? Vous n'étiez pas là quand cette histoire a commencé. Monsieur, laissez ma femme tranquille. Espèce d'engrayana. Et celui-ci qui me parlait qui? C'est mon neveu, c'est mon beau-frère. Qui? Ça fait quoi? L'article 122 du nouveau code pénal condamne ça à 3 ans d'emprisonnement ferme. Avec vos narines comme le taille crayon. Voilà. Chérie, tu parles avec ce genre de personne. Monsieur, si vous blaguez avec moi dès maintenant, je vous fais venir le procureur Lembe tout de suite. Tout de suite. Quoi? Et si ça agace ou ça peut agacer, le procureur Evezo va atterrir là maintenant. L'homme, c'est sa parole. Bon, comme j'avais accepté, j'ai refusé. La parole est terminée. Pourquoi plastique, Wetsum? Aucun plastique. J'ai dit aucun plastique. Je ne traite pas avec des voyous. Je vous rappelle que si mon plastique de nourriture, vous ne me remettez pas ce plastique, vous allez perdre soit l'œil ou la dame, monsieur. Mouf! Tu ne peux pas perdre l'œil. Mon ami, be careful, be careful. À l'époque, vous n'étiez pas ce que vous avez dit. Vous n'étiez pas ça. Les choses ont changé.